Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir et bonjour pour vous qui allez nous suivre le lundi matin. Nous voulons aujourd'hui parler d'un sujet qui suscite beaucoup de controverses dans le chef des chrétiens que nous sommes. Et ce thème, nous l'avons intitulé l'importance de la prière en langue. Mais d'entrée de jeu, nous voulons d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, et nous allons également lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus, la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. La Bible dit que faire donc, je prierai par l'Esprit. Mais je prierai aussi d'une façon intelligible. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi d'une façon intelligible. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39, la Bible dit ceci. J'ai lu la partie B. Ne méprisez pas les parler en langue. Amen. Bien-aimés, je t'ai en train de dire que ces sujets du parler en langue suscitent beaucoup de controverses dans les chefs de chrétiens que nous sommes. Mais nous voulons, à la lumière des Écritures, répondre aux différentes questions que nous nous posons. Nous nous posons beaucoup de questions du genre, est-ce que la prière en langue est-elle biblique? Est-ce qu'il y a des conditions pour prier en langue? Est-ce que le diable parle-t-il en langue? Ou il écoute une personne qui prie en langue? Est-ce que c'est obligatoire pour un chrétien de prier en langue? Et donc nous voulons, à la lumière des Écritures, voir et répondre à toutes ces questions que nous nous posons. Mais je voudrais, bien-aimé, d'entrée de jeu, toi qui me suis, je veux que tu saches que l'on ne peut parler en langue que si on a été baptisé par le Saint-Esprit. Ou la prière en langue n'est possible que si il y a eu effusion du Saint-Esprit. Et donc, parler du baptême du Saint-Esprit et l'expression effusion du Saint-Esprit, cela veut dire la même chose. L'on ne peut pas parler en langue si on n'a pas été baptisé par le Saint-Esprit. Mais parce que nous parlons du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Nous entendons à la longueur de journée, les chrétiens disent, l'Esprit m'a parlé, j'ai été conduit par l'Esprit, je voudrais sortir et l'Esprit m'a dit de ne pas ouvrir la porte. Nous parlons tout et rien au nom de l'Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Je veux que tu saches avant tout qu'en Dieu se combine éternellement à la fois l'unicité et la pluralité. En d'autres termes, je veux dire quoi? Je veux te dire, toi qui me suis, qu'en Dieu, il y a le un et le pluriel. Et lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 26, ces mystères, nous sommes confrontés déjà dès le premier chapitre de la Bible à ces mystères. Qu'est-ce que dit ce verset? Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est un verset que vous connaissez. Mais aujourd'hui, nous voudrons analyser ces versets. Nous allons faire cette analyse un peu, nous allons nous référer, nous allons faire allusion à notre cours de grammaire. Il est dit, c'est un homme qui dit. Dans ce verset, il y a le verbe dire et Dieu dit. Le verbe dire,
dont on est en train de faire allusion à ces versets est conjugué à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire, c'est une seule personne qui est en train de dire. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'adjectif possessif « notre » représente plusieurs personnes. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, vous qui nous suivez, qu'en Dieu, il y a le un et le pluriel. Mais lorsque vous continuez la révélation, lorsque le prophète Ésaïe eut la vision du Seigneur sur son trône, la Bible dit, Ésaïe chapitre 6, verset 8, la Bible dit, « Il entendit une voix, qui enverrai-je ? » Nous voyons le pronom personnel « je ». Qui enverrai-je pour agir en notre faveur? Le « notre » indique une personne qui parle pour plusieurs. Voilà pourquoi nous disons, en Dieu, il y a le « un », il y a le pluriel. En Dieu, il y a la combinaison d'une manière éternelle de l'unicité et de la pluralité. Et lorsque vous poursuivez toujours dans la révélation de la Bible, vous remarquerez qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils qui est Jésus-Christ et il y a le Saint-Esprit. Parce que nous sommes en train de dire que la prière en langue, nous voulons prendre les expressions de la Bible, le parler en langue ne peut être possible, ne peut être une chose effective que si on est baptisé par le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit dont nous voulons savoir là où il vient. C'est lui le substratum de la prière en langue. Et donc, le Saint-Esprit, c'est une des personnes de Dieu. C'est lui qui est le réverbère de la prière en langue. C'est lui qui détient le vocabulaire. C'est lui qui détient l'alphabet de la prière en langue. Je voudrais, à ce point, vous qui me suivez, que vous puissiez déjà poser des jalons. Et donc, j'étais en train de dire qu'en Dieu, il y a une personne, en Dieu, il y a le un et le pluriel. Et ces mystères nous sommes confrontés à ces mystères déjà depuis le premier chapitre de la Bible. Mais parce que nous parlons du baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Mais avant que nous définissions le baptême du Saint-Esprit, nous voulons dire que le Saint-Esprit n'est pas né de la dernière pluie. Le Saint-Esprit a toujours existé depuis la nuit des temps. Parce que j'ai dit que ce mystère, nous sommes confrontés depuis le premier chapitre de la Bible. Quand vous lisez Genèse, chapitre 1, verset 2, il est dit que le Saint-Esprit a toujours existé avant la création du monde. La Bible dit, la terre était informe et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, qui est le Saint-Esprit, s'est mouvé sur les eaux. Et donc, le Saint-Esprit n'est pas né de la dernière pluie. Le Saint-Esprit a toujours existé depuis la nuit des temps. Toi qui me suis, sache que le Saint-Esprit a toujours existé. Il est une des personnes de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est de ça qui est là. C'est le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'on a été baptisé, c'est en ce moment-là qu'en conséquence, on prie en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Mais je veux que tu saches que l'expression « baptême » a été utilisée pour la première fois par le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit ceci lorsque vous lisez les Saintes Écritures, il est dit ceci, Jean chapitre 1, verset 8, il est dit, Jean-Baptiste dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui-là, il parlait de Jésus, vous baptisera par le Saint-Esprit. » Jean chapitre 1, verset 8. Et cette expression a été reprise par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il disait que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Mais
Le baptême, c'est quoi? C'est une expression qui vient du mot grec qui veut dire baptisio. En français, cela signifie plonger et immerger. Et donc, une personne qui est baptisée par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a été immergé dans le Saint-Esprit. Et quand il est immergé dans le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là qu'il commence à parler en langue. Mais parce que nous parlons du baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des conditions pour être baptisé, du Saint-Esprit? Bien-aimés, sachez que pour être baptisé par le Saint-Esprit, il faut seulement la première, et je dirais même la première et la dernière condition, c'est que vous devez le désirer. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une chose, mais être baptisé par le Saint-Esprit en est une autre. Pour être baptisé par le Saint-Esprit, vous qui avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, vous qui avez déjà reçu Jésus, vous devez désirer. Votre souci, votre préoccupation doit être d'être baptisé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous devez le désirer. Vous devez le vouloir. L'on ne peut pas vous donner une chose que vous ne désirez pas. Pour être baptisé du Saint-Esprit, afin que la prière en langue soit le corollaire, vous devez les désirer. Bien-aimés, désirons, ayons soif d'être baptisés par le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est baptisé par le Saint-Esprit, on va parler les nouvelles langues. Et la seule condition, c'est les désirer. La Bible nous dit ceci. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Toi qui me suis au Congo, au Cameroun, en Belgique, dans ma province, le Maniema, au Katanga, toi qui me suis, je voudrais te dire que si tu le désires, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que tu entends, c'est cette prédication. Je veux que tu en fasses foi. Je veux que ce que je suis en train de te dire maintenant, que cela crée, produise une foi en toi. Et que tu te dis, là où tu es, Seigneur Jésus, je veux être baptisé par le Saint-Esprit. Et donc, nous pouvons déjà répondre à la première question que nous nous posons. Est-ce que la prière biblique, est-ce que la prière en langue, elle est biblique? Nous disons oui au regard de ces deux versets. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15 et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. Donc, elle est biblique. Ça ne devait pas créer des controverses. Bien-aimé, je voudrais, pour aujourd'hui, t'inviter à prier. Je voudrais t'inviter à prier. Mais avant que nous prions, je veux que cet enseignement puisse créer la foi en toi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et tu m'as entendu parler que le baptême du Saint-Esprit ne peut être possible que si tu le désires. Nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit dans ta parole, la foi vient de ce que l'on entend. Seigneur, nous avons entendu que pour être baptisé, il faut que nous le désirons. Père, nous désirons être baptisés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous baptiser parce que cela est possible. Nous te demandons d'être baptisés par le Saint-Esprit. Par le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous croyons que nous avons été baptisés par le nom puissant de notre Seigneur Jésus.